Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma seconde chaîne. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'affiliation. Donc, j'ai reçu vraiment beaucoup de questions au niveau de ma boîte mail, au niveau de mon compte Instagram. Quelle plateforme que j'utilisais pour faire tout ce qui est affiliation? J'utilise pratiquement presque 10 plateformes ou même 20, je pense entre 10 et 20 plateformes. Et parmi ces plateformes, j'ai fait des sélections. C'est-à-dire, j'ai ces 20 plateformes et dans ces 20 plateformes, j'ai fait des sélections qui sont propres à moi, des sélections que je trouve que lorsque je suis sur ces pages, c'est encore plus facile pour moi de faire de l'affiliation. Et aujourd'hui, je vous présente la première plateforme que j'utilise vraiment pour faire de l'affiliation. Ma première plateforme que je vais vous montrer, c'est NTPE. Donc, ce n'est pas une nouvelle plateforme. Ce n'est pas une plateforme, par exemple, qui est nouvelle. Elle date de longtemps. Donc, beaucoup d'influenceurs, par exemple, utilisent cette plateforme pour faire tout ce qui est affiliation. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer du début jusqu'à la fin. Je vais vous donner des conseils et je vais vous donner vraiment beaucoup de stratégies que vous devez mettre derrière pour faire tout ce qui est affiliation et ce que les gens ne vous disent pas. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, si tu es nouveau et que tu tombes sur la vidéo, voilà la première plateforme que je te présente pour tout ce qui est affiliation. Je vais créer une playlist et je vais vous montrer toutes les plateformes que j'utilise, que ce soit YouTube, Instagram, vraiment beaucoup de plateformes. Donc voilà, vous allez taper ici NTPE si tu n'es pas encore inscrit. Donc je reviens encore en arrière. Pourquoi? Parce que je fais de telle sorte que si tu n'es pas encore inscrit, tu vas comprendre comment cela fonctionne. Donc lorsque tu vas taper par exemple ici, tu vas venir automatiquement sur ntpe.com, plateforme d'affiliation pour produits numériques. Donc, automatiquement, lorsque tu vas, par exemple, appuyer là-dessus, tu vas te rediriger automatiquement ici. Voilà. Donc, tu vas te rediriger ici. Donc, avant même de poursuivre avec l'explication de cette, c'est-à-dire de l'interface, je vais automatiquement me rediriger juste là. Pourquoi? Parce que avant de faire toute chose, si tu n'es pas encore inscrit, il faut d'abord t'inscrire. Donc, ici, on dit programme d'affiliation. C'est gratuit, ouais, c'est gratuit par exemple. Donc ici tu vas mettre le nom, ton mail, tu vas accepter et tu vas valider. Voilà, maintenant une petite précision au niveau du nom. Généralement il faut mettre un nom qui est propre à toi. Voilà, parce que c'est une plateforme d'affiliation. Mets un nom qui est propre à toi, parce que généralement si tu ne mets pas par exemple un nom qui est propre à toi, parce que j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus, généralement c'est ce qui fait. Si tu mets un nom qui n'est pas, qui ne comporte pas, par exemple, avec le nom que tu as saisi, par exemple, sur ton compte bancaire, sur ton compte PayPal, quelque chose comme ça. Lorsque, par exemple, tu vas réaliser des ventes et autres, et que le site ou même la plateforme va vouloir te verser ton argent, par exemple, dans ton compte bancaire, quelque chose comme ça. Si on voit que, par exemple, le nom ne respecte pas sur ton compte PayPal, c'est-à-dire le nom que tu as mis sur ton compte PayPal ne respecte pas celui que tu as mis, par exemple, sur le site, ça ne va jamais passer. Ça se passe aussi, ça a été aussi un problème pour beaucoup de personnes lorsqu'ils ont voulu faire tout ce qui est freelance avec Upwork. Donc, le nom doit correspondre au nom de ton compte bancaire, doit correspondre au nom que tu as mis sur ton compte, par exemple, ton compte PayPal. Donc, c'est juste une petite précision que je vous donne sur, sur tout ce qui est affiliation et autres. Et sur tout ce qui est plateforme où tu dois avoir de l'argent en fonction de tout ce qui est compte bancaire et affiliation, voilà. Le mail que tu vas saisir, c'est un mail que tu connais par cœur, un mail que tu ne peux pas oublier et autres. Et vous allez lire juste ici. Si vous créez un compte avec un faux mail, votre compte sera immédiatement supprimé. Vous voyez, votre mail doit être valable pour recevoir votre mot de passe. Évitez d'utiliser Hotmail, Yahoo, Live ou GMX. Vous risquez de ne jamais recevoir votre mot de passe car il efface nos messages comme beaucoup d'autres de vos messages. Donc voilà quelques détails que j'ai voulu vous dire avant de continuer. Donc voilà, tu vas t'inscrire, tu vas montrer le jeu que tu connais et lorsque tu vas finir ça maintenant, tu vas te retrouver automatiquement juste là. Donc ici, moi je ne me suis pas, par exemple, connecté. Excusez, je vais revenir juste en arrière. Voilà, je ferme. Excusez, voilà. Donc moi je ne me suis pas connecté, je prends le temps de vous expliquer. Donc voilà, vous avez le fonctionnement. Donc avant toute chose, avant de comprendre le fonctionnement d'une plateforme, et c'est aussi la même chose avant de comprendre le fonctionnement de quelque chose ou un logiciel, tu vas prendre le temps de comprendre comment le truc fonctionne. Donc, un programme d'affiliation, ce n'est pas nouveau pour beaucoup de personnes. Peut-être que ça peut être aussi nouveau pour d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu vas prendre le produit de quelqu'un et tu vas proposer ce produit à une autre personne. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une chaîne YouTube. Et par exemple, je veux utiliser un produit qui me plaît ici, que j'ai l'habitude d'utiliser et que je trouve que c'est un bon produit. Je vais prendre automatiquement ce lien de ce produit d'une autre personne. C'est-à-dire que c'est le produit qu'une autre personne, par exemple, a confectionné. Je vais prendre le lien de ce produit et je vais proposer ce produit à mes abonnés ou bien à une communauté en quelque sorte. De telle sorte qu'une fois qu'une personne passe par exemple par ce lien que je leur propose au niveau du produit et qu'il achète le produit par exemple,
Moi, derrière, je vais gagner des commissions. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur tout ce qui est affiliation. Donc, pour aller plus loin, on va prendre le temps de dire d'abord le fonctionnement et on va poursuivre. Voilà. Comment ça marche, l'affiliation? Vous comprenez? Il n'est pas facile de bien comprendre le fonctionnement de l'affiliation. Pourtant, c'est assez simple. Lorsque l'on détaille chaque étape, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Donc, voilà. Je prends le temps de vous expliquer. Comme je vous le dis, je ne vais pas aller très vite. Voilà. Il y a des gens qui comprennent déjà, il y a des gens qui ne comprennent pas déjà. Donc, on se met dans la peau de quelqu'un qui ne comprend pas déjà. Voilà. Donc, pour démarrer en affiliation, vous devez, deux points, trouver une plateforme d'affiliation. Donc, une plateforme d'affiliation, ça peut être un TPE, comme je suis en train de vous expliquer actuellement. Ça peut être aussi Clickbank, d'autres plateformes d'affiliation que je vais prendre le temps de vous expliquer tous ces éléments-là. J'utilise vraiment beaucoup de plateformes d'affiliation. Donc, je vais créer une playlist et je vais montrer toutes les plateformes d'affiliation que je vais, toutes les plateformes d'affiliation que j'utilise et je vais vous proposer ces plateformes d'affiliation. Et vous, en fonction de toutes les plateformes que je vais vous proposer, vous allez par exemple faire, vous avez par exemple réalisé le choix. Voilà. Donc, trouver une plateforme, sélectionner une thématique qui vous intéresse. Donc, c'est très important aussi. C'est comme une page Facebook, c'est comme une chaîne YouTube. Lorsque tu te lances sur YouTube, derrière, il faut avoir une thématique que tu maîtrises, qui t'intéresse, que tu peux expliquer à long terme. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça. Donc, si tu viens par exemple sur un programme d'affiliation, en fonction de la plateforme que tu utilises, forcément, tu ne peux pas utiliser tout ce qui est programme d'affiliation sur la plateforme. Il y a une thématique qui va t'intéresser. Et généralement, les gens le font en fonction de la thématique que j'utilise, par exemple, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ici, choisis un produit dans le catalogue. Donc, tu auras beaucoup de produits. Et parmi tous ces produits, il y a un produit qui va t'intéresser et tu vas copier. Tu vas prendre ce produit-là et proposer ça à tes abonnés, aux internautes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, copier le lien d'affiliation de ce produit. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Donc, par exemple, vous êtes arrivé sur la plateforme. Vous avez vu, vous avez ciblé, par exemple, le produit qui vous intéresse. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez copier le lien du produit parce que c'est grâce à ce lien que ces personnes vont passer, vont partir acheter le produit en question et derrière, maintenant, vous allez toucher des commissions en fonction du produit que vous allez vendre. Donc, je ne dis pas que lorsque tu vas, par exemple, vendre un e-book en passant par un lien d'affiliation, par exemple, d'une autre personne, par exemple, tu vas toucher 25 euros, c'est un exemple, et tu vas toucher 25 euros pour les autres produits que tu, par exemple, tu vas utiliser. Non, ça dépend du produit que la personne... ça dépend du produit de la personne que tu vas prendre et tu vas faire de l'affiliation avec. Donc, chaque programme d'affiliation varie, chaque programme d'affiliation a son prix. Voilà, au niveau de tout ce qui est commission. On dit, faites connaître ce lien aux internautes. Donc, c'est ce que je vous disais au départ. Vous allez montrer ce lien aux abonnés, aux internautes, à votre communauté, quelque chose comme ça. Mais vous devez comprendre que les gens ne vous disent pas vraiment beaucoup de choses. L'affiliation, ce n'est pas du tout simple. C'est comme le dropshipping. Vous allez voir les gens sur le net, on vous parle facilement du dropshipping, mais en réalité, c'est quelque chose qui est complexe. Ce n'est pas facile à faire. Donc, l'affiliation, c'est quoi? C'est comme un commerçant. C'est un peu ça. Tu vas prendre son produit, par exemple, une grosse boutique. Toi, tu vas dans sa boutique, tu prends son produit. Et le produit que tu prends maintenant, par exemple, le commerçant va te dire, par exemple, si tu vends mon produit, par exemple, à 100 euros, moi, je te donne une commission, par exemple, de 25 euros. Donc, maintenant, c'est comme si toi, tu vas le représenter. Tu vas prendre ce produit et tu vas partir maintenant vers d'autres personnes pour les convaincre maintenant d'acheter maintenant le produit. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas facile, mais ça demande un gros travail derrière si tu es courageux, si tu as vraiment une crédibilité en fonction de tout ce que tu fais. Et si ton audience aime vraiment beaucoup ce que tu fais, ça sera encore facile et tu vas générer beaucoup d'argent derrière. Voilà. Suivre les ventes dans votre espace membre. Donc, c'est-à-dire lorsque vous allez finir votre inscription ici, comme je vous l'ai montré, comme je vous montre ici, vous allez avoir un espace membre pour suivre les ventes. Lorsque combien de personnes ont cliqué sur le lien, combien de personnes ont acheté le produit, combien de personnes, ainsi de suite, combien de commissions, combien j'ai gagné en commission, combien j'ai gagné en tout ce qui est commission et revenu, je les mets en même temps ensemble, et voilà. Demandez le paiement de vos commissions suivantes. Donc, faites très, très attention avec ça. Voilà. Donc, avant de demander le paiement de vos commissions, rassurez-vous que le nom qui est sur votre compte PayPal, parce que généralement, les gens utilisent PayPal, et votre compte bancaire, votre carte Visa, ainsi de suite, voilà, doit correspondre au nom que vous avez, par exemple, saisi sur la plateforme. C'est-à-dire, de manière générale, les informations doivent se ressembler. Ça doit être la même chose, identique. Si un n'est pas identique, automatiquement, ça sera rejeté. C'est comme si votre agent, tout ce qui est commission, sera bloqué sur la plateforme et vous ne pouvez pas retirer. Donc, lorsque vous allez réaliser l'inscription, prenez le temps de bien faire l'inscription. Parce que tout va partir de là. Voilà. Donc, on dit, lorsque vous suivez ces différentes étapes, le principe est assez simple à comprendre. Donc, on dit qu'il suffit de trouver un produit dont vous désirez faire la promotion, vous comprenez, sur Internet. Donc, moi, je vous encourage, par exemple, de créer une chaîne YouTube, si tu n'as pas une chaîne YouTube,
de faire un site internet, une page Facebook, un compte TikTok, Instagram, Snapchat, voilà, tout ce qui est en rapport avec les réseaux LinkedIn et autres. Et tu vas commencer à proposer ces produits-là à des personnes qui te suivent, par exemple. Vous devez procurer le lien d'affiliation qui correspond à ce produit, de faire connaître ce lien au prospect en faisant la communication le plus largement possible et en faisant de comptabiliser la commission suivante que vous allez percevoir grâce aux achats de vos prospects. Donc, à chaque fois qu'un prospect va passer par ce lien d'affiliation et qu'il va acheter le produit, derrière, tu vas prendre ta commission tranquille, sans même te fatiguer. Donc, ici, on dit, l'affiliation est une des solutions les plus simples pour générer des revenus sur Internet. En effet, vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre produit à vendre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire au départ. Donc, vous pouvez prendre un produit d'une autre personne. Vous pouvez prendre quelque chose d'une autre personne et vous allez prendre son lien d'affiliation et commencer à parler de ce produit à d'autres personnes. Vous utilisez des produits créés par d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin non plus de vous préoccuper de services après-vente, du suivi client, des demandes de remboursement. Tout ceci est soit pris en charge par la plateforme d'affiliation, soit par le concepteur du produit. Finalement, il vous suffit juste de faire la publicité, la promotion sur Internet du produit pour générer des ventes, des touches. Voilà, vous, c'est tout. C'est comme si vous prenez le produit de cette personne, vous faites seulement la publicité, c'est tout. Et par ta publicité, si quelqu'un paye, tu gagnes de l'argent. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire de manière générale dans tout ce qui est fonctionnement d'affiliation que vous devez comprendre d'abord avant de se diriger maintenant sur la plateforme. Voilà, donc c'est vraiment essentiel. Donc, comment par exemple cela fonctionne? On va faire un test. Toucher jusqu'à 70% de commission en vente en vendant nos produits numériques. Donc, par exemple, formation en ligne, ça peut être des formations en ligne où tu vas prendre le lien, tu vas proposer à des personnes. Ça peut être des livres électroniques, ça peut être des logiciels, tout ce qui est audio, vidéo. Voilà, ça peut être vraiment beaucoup de produits en fonction de ta thématique. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc, ici, c'est un peu plateforme d'affiliation pour produits numériques. Donc, on vous montre un peu l'évolution. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prendre le temps de faire un test. Donc, par exemple, lorsque vous allez venir, par exemple, dans la barre de recherche, ici, par exemple, voilà. Vous allez venir dans la barre de recherche ici. Vous allez voir que ici, on vous montre des produits comme exemple. Ils vont vous montrer des produits et c'est comme ça, cela va afficher, par exemple. Vous voyez? Et toi, par exemple, en fonction de ta niche, en fonction de ce que tu fais, tu vas prendre ce produit-là et tu vas faire de l'affiliation avec. Donc, par exemple, on va taper un produit quelconque. Je vais mettre par exemple livre. Je mets un truc comme ça. On va faire un truc quelconque livre. De manière générale, je vais taper livre. Donc, comme quand je tape livre, vous voyez que automatiquement, qu'est-ce qui apparaît? Le guide du futur rentier de l'immobilier. Paris sportif. Toutes les méthodes gagnantes. Vous comprenez? Les 30 premiers jours paléo. Comment écrire et vendre votre propre livre, vous comprenez? Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de, comment je vais dire, beaucoup de livres que la plateforme me propose. Maintenant, toi, en fonction de ta niche, tu vas chercher. Donc, tu vas prendre le temps de chercher, par exemple, revenu passif grâce au e-book. Donc, voilà ce qui va se passer. Comme je vous disais au départ, chaque produit n'a pas, c'est-à-dire chaque produit a des commissions différentes. Si tu prends un produit qui a une commission de 50 euros, cela ne signifie pas que lorsque tu vas prendre par exemple un autre produit, ce même produit aura une commission encore de 50 euros. Donc, regardez l'exemple, regardez juste ici. On va faire trois exemples et vous allez voir. Le guide du futur rentier de l'immobilier. Regardez commission suivante. Vous avez 23,50 euros. Donc, c'est-à-dire par exemple, si je prends ce livre, et que je propose ce livre à ma communauté et que ce livre est vraiment bon, avant de le proposer, et toi aussi, il faut prendre le temps de comprendre aussi le livre, tu as la bienvenue, tu es satisfait, tu proposes, parce qu'il ne faut pas proposer aussi n'importe quoi. Donc, je prends le lien d'affiliation, et par exemple, je suis en train de réaliser une vidéo actuellement où je parle de l'affiliation, par exemple. Je colle le lien d'affiliation en dessous de la vidéo, et je vous parle de ce produit, vous comprenez? Donc, en fonction de cela, vous allez voir maintenant qu'il y a des gens qui seront intéressés par ce livre. Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent, par exemple, ce livre, vont passer par ce lien, est parti acheter le livre. Et vous voyez qu'en commission, une fois que la personne passe par le lien et qu'il achète le livre en commission, moi je vais toucher 23,50 euros, c'est-à-dire 24 euros de commission. Vous voyez ici. Donc par exemple, comme ici, on parle de tout ce qui est web marketing, je vais mettre par exemple web marketing. Je ne sais pas si je vais trouver un livre qui va parler de ça. Voilà. Donc vous voyez que ici, voilà des livres qui parlent de tout ce qui est web marketing. Club d'affiliation facile, pub, un an web marketing. Par exemple, je clique dessus. Vous voyez que ici, si j'arrive à vendre ce livre, par exemple, je clique dessus. Excusez.
Je ne sais pas. Voilà. Je clique dessus automatiquement. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, vous allez voir, voilà, vous parlez un peu de ce livre. Faites la promotion de ce produit et touchez des commissions suivantes. Vous voyez ici, automatiquement, vous voyez un produit par jour. Faites de la promotion de ce produit et gagnez, voilà, je peux dire 30 euros par vente. Un produit par jour, deux produits par jour, cinq produits, ainsi de suite. Donc, prix de ce produit, voilà. Donc, on met commission de vente 10%. Vous voyez ici, nombre d'affiliés ayant déjà vendu ce produit. Vous voyez, 80 personnes ont déjà vendu ce produit. Vous comprenez? Nombre d'affiliés ayant vendu ce produit durant les 3 derniers jours. Vous voyez, une personne a déjà vendu ce produit. Vous voyez ici. Donc, automatiquement, vous voyez que ici, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Votre lien d'affiliation pour Facebook est. Vous voyez ici, votre lien d'affiliation est. Donc ici, si vous remarquez bien ici, on ne voit pas de lien d'affiliation. Vous devez savoir que je ne me suis pas connecté. Voilà, vous comprenez ici? Je ne me suis pas encore connecté, donc c'est pourquoi vous ne voyez pas de lien d'affiliation. Donc, pour toi qui suis la vidéo jusqu'à maintenant, avant de pouvoir prendre par exemple le lien d'affiliation et autres, il faut te connecter d'abord. Comme j'ai eu à t'expliquer au départ, il faut créer ton inscription sur la plateforme. Et après cela, maintenant, tu vas commencer à faire tout ce qui est affiliation du produit. Vous comprenez? Voilà, donc une fois que j'ai fini de faire cela maintenant, je suis satisfait. Forcément, vous allez trouver le lien à quelque part ici. Une fois que vous avez par exemple terminé avec tout ce qui est inscription et autres, voilà, c'est un site que j'utilise. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous dire dans le billard comme ça. C'est un site que j'utilise franchement. Voilà. Donc, tu vas prendre le lien automatiquement par exemple. Et lorsque tu vas finir par le lien maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas maintenant le sauvegarder par exemple dans un catalogue, quelque chose comme ça. Et lorsque tu vas réaliser une vidéo qui va parler de l'affiliation de ce produit, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas parler uniquement de ce produit dans ta vidéo. Et toi maintenant, derrière, tu vas copier le lien en description. Et tu vas dire à tes abonnés, s'ils veulent comprendre, ils veulent aller par exemple, aller loin sur tout ce qui est autre. Voilà, tu as laissé le lien du produit dans la description. Et puis passer par le lien et par exemple acheter le produit. Et ils vont voir que vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Et lorsqu'ils vont réaliser cela, toi tu vas toucher en commission 30 euros. Donc, c'est 29,10, mais j'ai converti, j'ai arrondi automatiquement à 30 euros. Donc, ça peut être par exemple un logiciel. Donc, je vais mettre logiciel. Je vais taper. Voilà. Ça peut être un logiciel, par exemple. Donc, la connexion met un peu de temps. Voilà. Ça peut être un logiciel. Vous voyez, vous avez vraiment liste plus patch, info produit, rentable. Commission ici, c'est 24, bon, 25 euros. Vous voyez, ça peut être un logiciel. Et en fonction de ta thématique, tu vas automatiquement prendre le lien, comme j'ai eu à vous montrer. Et automatiquement, tu vas mettre le lien de, par exemple, comment je vais dire ça, du produit en description de ta vidéo. Et maintenant, tu vas parler de la vidéo et les gens, lorsqu'ils vont passer en fonction du produit, en fonction de ta thématique, toi derrière, tu vas toucher beaucoup de commissions. Donc, imagine que je prends un exemple très simple. On va prendre un exemple très simple. Je vais prendre par exemple celui-là. Voilà, je prends celui-là par exemple. Imagine que tu arrives à faire des ventes avec celui-là. Imagine que tu arrives à faire des ventes. Tu vois, commission suivante, 50%. Vous comprenez? Nombre d'affiliés ayant déjà vendu ce livre 6, les 3 derniers mois, 2. Vous voyez que ce que les gens vous disent sur le net, c'est parce que vous voyez automatiquement. Parce que les gens vous font croire que l'affiliation c'est facile. L'affiliation n'est pas facile. Ça demande un gros travail derrière. C'est un gros processus. Mais l'affiliation, une fois que tu as décollé de l'affiliation, je peux vous garantir, ça paye. Et automatiquement, vous voyez qu'une fois que tu arrives à vendre ce livre, par exemple, vous voyez que vous avez commission 61 euros. Donc imagine un instant que tu as reçu à faire de l'affiliation avec, par exemple, ce logiciel. Excusez-moi, ce n'est pas un livre, ce logiciel du moins. Ça fait au moins 10 ventes. Vous voyez que facilement, vous pouvez vous retrouver facilement près de 1000 euros. Donc vous voyez que c'est quelque chose que vous ne devez pas négliger. Donc, on va se retrouver pour une autre vidéo où je vais vous parler encore d'un autre programme d'affiliation que j'utilise. Je vais vous montrer aussi comment faire de l'affiliation sur Amazon, étant en Afrique du début jusqu'à la fin. Donc, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un pouce. Ça m'encourage aussi à faire sortir beaucoup de vidéos. Ça va aussi aider aussi à référencer la vidéo. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!